En ville, tout le monde le sait, il adore la vitesse. Veut être un sauveteur et rien ne lui fait peur. Dis-moi qui vient tout juste de filer sous nos yeux. Ricky Zoom, Ricky Zoom. Voyez le séancé, toujours prêt pour l'aventure, toujours prêt à s'amuser avec ses meilleurs amis. Sa famille et ses amis, tout le monde peut compter sur lui. Ricky Zoom, Ricky Zoom. La nouvelle rampe de sauvetage. Oui. Allez vite, il devrait déjà être là. Ça y est, c'est lui. Non, c'est DJ. Salut. Wow. Alors, tu l'as reçu? Non, Don devrait bientôt arriver avec. Ah bon? On attend quelque chose? Je croyais qu'on s'amusait juste à tourner autour de la boîte aux lettres. Loup, tu te souviens pas? J'ai collectionné 500 boîtes de céréales Sam d'acier. Du coup, je vais recevoir un jouet de sauvetage comme cadeau surprise. Wow. T'as dû manger une tonne de céréales. Bonjour les enfants. Ça y est, voilà mon cadeau. Bonjour papa. Comment ça va mon grand? Monsieur Hoopla, on attend un colis très important. Est-ce que vous l'avez? Oh, tu parles de ce colis très important? Wow! Attendez, c'est pas celui-là. Attends là. Voyons, où est-ce que je l'ai mis déjà? Ah, voilà. Wow! Oups, désolé les enfants, c'est pas ça non plus. C'est la pagaille aujourd'hui, j'ai un tas de choses à livrer. Alors, est-ce que c'est ça? Non, c'est peut-être ça. Ah, je le tiens, c'est écrit dessus, Zoom! Ça doit être toi, Ricky, non? Merci, monsieur Hoopla. Tout le plaisir est pour moi, tu sais. Et tu connais notre slogan, hein? Jamais d'erreur dans la distribution. Allez, je vous laisse, les enfants, je dois continuer ma tournée. Par tous les temps, par tous les vents. Bon, il y a un mètre de neige quand même, hein. Et par tous les temps, par... Oh, c'est extraordinaire, Ricky! Alors, qu'est-ce que t'attends pour l'ouvrir? Oui, montre-nous ce qu'il y a à l'intérieur. Attendez. Mais non, il n'y a rien de fabuleux. Une seconde, il y a un bouton. Wow, une rampe de sauvetage, mais c'est génial. C'est pas n'importe quelle rampe de sauvetage. Regarde, on peut la régler sur trois positions différentes. On dirait qu'elle a été conçue pour pouvoir faire des super sauts. Tu sais, comme quand on veut atteindre des zones en hauteur pour... secourir d'autres motos. C'est génial comme cadeau, j'arrive pas à y croire. Ensuite, il suffit d'appuyer sur ce bouton rouge. Et on la replie en un clin d'œil. Quelque part dans la ville, une moto a besoin d'aide. Et c'est nous qui allons la secourir. Avec cette rampe gonflable, on va pouvoir aider plein de monde. Trop bien, c'est fantastique. Oui, tous à la rescousse. Oh, mais c'est pas vrai. Oh, non, mais non, mais non, mais non. Oh, Ricky, Loop, DJ, vous êtes tous les enfants. Je vous ai donné le mauvais colis, vous m'entendez? C'est celui-là, ton colis, Ricky. Oh, mais qu'est-ce que t'as fichu, mon vieux? On a dit jamais d'erreur dans la distribution. Et tu nous fais quoi? Une erreur dans la distribution? Oh, je dois retrouver Ricky et récupérer l'autre colis. Il faut qu'on repère une moto à sauver. Zoom cam, action! Je ne vois personne qui a besoin d'être sauvé. Le coincé sur un lampadaire. Alors on va aller sauver ça. Accroche-toi, petit pneu. Ricky va te secourir. Pour commencer, je vais mettre la rampe sur la position la plus basse, histoire de m'habituer. Prêt? Attention les yeux. Wow. Ouais, vroom-tastique, DJ. J'imaginais pas que ça rebondisse.
dirait autant. Il a raison. Comment ça rebondit? Il faut que tu t'entraînes un peu, c'est tout. Excellente idée, Didier. Et la meilleure façon de s'entraîner, c'est de trouver quelqu'un à sauver. Suivez-moi. Oh, Ricky! Ricky! Ricky, regarde! Buster a perdu son ballon! Ça tombe bien, j'ai ce qu'il faut pour l'aider. Je vais mettre la rampe en position 2. T'inquiète pas, Buster, je m'occupe de tout. Voyons si cette fois j'arrive à sauter sans rebondir. Ricky à la rescousse! Non, c'est Sergent Doudou qui est coincé. Oh. Tu vas bien, Ricky? Ça a l'air dur d'utiliser cette rampe. Oui, ça va. J'ai le contrôle de la situation. Le ballon. Ah, on l'attrape et on le rend à Buster. Oh, c'est pas vrai, aidez-moi. J'y arrive, Sergent Doudou. Tu feras mieux de le laisser descendre tout seul, Buster. T'arriveras jamais tout en haut et c'est dangereux. Ah, c'est bon, je suis là, Sergent Doudou. Moto coincé, je répète, moto coincé, j'ai besoin d'aide. Oh, Buster! Qu'est-ce que j'avais dit? Mais jamais on m'écoute. Ici Agent Bunker, OK les Zoom, vous vous recevez? Nous avons un code d'urgence, 397, au parc Wilford. Les affaires reprennent, est-ce que tu es prête, Hélène? Moto secouriste, Hélène Zoom au rapport, prête à partir. Dommage que je n'ai pas reçu ma nouvelle rampe. Elle était censée arriver aujourd'hui. Ah ben si, la voilà. Ça tombe bien, ce sera parfait pour la mission d'aujourd'hui. Ok, Hélène. Mon petit-fils s'est coincé sur la falaise. Et d'après la loi, nous devons faire notre maximum pour secourir la moto en danger en employant tous les moyens à notre disposition. Exact. Buster Bunker est un futur agent de police. Ne vous en faites pas, on a l'outil idéal pour faire ça. Ils ne vont pas en croire leurs yeux. Je m'attendais à autre chose. C'est ça, les nouvelles rampes de sauvetage? Moi, je trouve ça très bizarre. Pourquoi elle a un autocollant somme d'acier? J'avoue que je suis très surpris. Une surprise? Mais oui, c'est le cadeau surprise de Ricky, celui qu'il a gagné avec toutes ses boîtes de céréales. Tu penses que tu pourrais t'en servir? J'avais un tremplin de ce genre quand j'étais petit. J'étais trop fort à ce jeu. Mais j'étais trois fois moins gros à l'époque. Reculez! Ne restez pas à côté! Ah, oh! Et voilà, je l'ai cassé. Je suis trop grand pour jouer avec ce genre de choses. Ça y est, vous allez pouvoir me sauver maintenant? Oui, bien entendu. Une fois que j'aurai trouvé comment faire. Waouh! Waouh! Il veut pas se faire attraper ou quoi? Ricky! Ce colis n'était pas pour toi. Je devais le donner à ton père. Hein? Attends, mais ça veut dire que... C'est pas le cas de surprise. C'est une véritable rampe de sauvetage. Et mon père doit sûrement en avoir besoin. Exactement. Vous avez tout compris, les enfants. Scoutio, DJ, occupez-vous du ballon. Luke, avec moi. Papa? C'est pas ton père qui sauve les autres, normalement? Je suis désolée, papa. C'est moi qui ai ta rampe. Il est au courant,
Ricky. J'ai compris toute seule ce qui s'est passé et je leur ai tout expliqué. Bon, ben, comme j'ai la rampe, je devrais peut-être m'en servir pour aller chercher Papa et Buster. Non, sans entraînement, tu ne feras que rebondir dessus, Ricky. Oh oui, c'est clair, on a fait un de ces vols planés tout à l'heure. T'en fais pas, maman. Je viens d'avoir une autre idée. Oh, je peux pas regarder, mais je peux pas ne pas regarder. Bon, ben, je vais faire les deux. Ricky, tu es sûr de toi, mon grand? Donne-lui sa chance, Hank. Tu es prêt, mon chéri? Prêt à y aller, maman. Ce n'est pas assez haut. Ricky, à la rescousse! C'est parti! Aileron, viseur, gadget, allez, boum! Hank Zoom à la rescousse. Ah, bah enfin. Monte, Buster, je vais te redescendre avec Sergent Doudou. Youhou. Merci. Et voici ton ballon. Enfin, si Scoutio et DJ arrivent à l'attraper. Tel père, tel fils. On est fait du même acier, tous les deux. Ce sera une grande moto secouriste un jour. Désolé pour ton cadeau surprise. Ce tremplin n'était pas fait pour une grosse moto comme moi. Bah, c'est pas grave. Tu m'aideras à manger 500 autres boîtes de céréales. J'espère que tu aimes ça. Bonjour les enfants, ici l'incroyable, le fabuleux Sam d'acier. Comme vous le savez, je sais faire des choses spectaculaires. Wow, wow, hey. Wow. Ouais, je sais, stupéfiant, non? Et pourtant, vous n'avez encore rien vu. J'ai travaillé sur l'enchaînement le plus extraordinaire de l'histoire de la moto. Encore plus extraordinaire que ça? Ouais, encore plus extraordinaire. J'invite donc tous les amateurs de sensations fortes à venir découvrir cette performance en direct vendredi au parc Wilford à 15h. Cool! Vous resterez bouche bée devant le cascadeur d'acier. Wow! Il a dit qu'il ferait son nouvel enchaînement à Wilford. Et il a bien dit que ce serait vendredi. Mais c'est pas aujourd'hui, vendredi. Dépêchez-vous, on doit arriver là-bas les premiers. Ouais, pour être au premier rang. Profitez à fond du spectacle. Sam d'acier, nous voilà. Attention, on recommence. Ok, on ferait mieux d'y aller un par un. Effectivement, ouais, ça vaudrait mieux. Prox. Attends. J'ai hâte de voir la nouvelle performance de Sam. Un jour, je l'ai vu faire une vrille avant. C'était trop fort. C'est plus dur qu'il n'y paraît. C'est bon, rien de cassé. Moi, je veux voir comment il brûle la gomme. Ça va, je vais bien. Moi, j'espère qu'il va nous faire une roue arrière doublée d'un saut périlleux. Ça, ce serait vraiment extraordinaire. Wow! Pas mal, c'est quoi comme figure? C'est pas une figure. Il y a un truc. Il y a un truc qui clash. Oh non! T'as crevé ton pneu arrière et ta plat. Non, c'est pas possible. Ça peut arriver qu'aux motos pas pressées ou aux dégonflées, ce genre de choses. Allez, c'est bon, rien de cassé. En avant, tout. On doit t'emmener chez Maxwell. On a encore le temps si on se dépêche. T'inquiète pas, je vais te dépanner. Ça y est, on est arrivé. Mes suspensions n'en peuvent plus de te porter.
Que c'est que ça? Du fromage? Oui, mélangé avec une petite sauce à la crème d'ail. C'est délicieux. Ben, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai un pneu qui est à plat. Il faut que Maxwell me le change. Oh, oh, je serai bientôt à toi, Loop. Dès que j'en aurai fini avec ton frère. Une tranche de poivron? Ouais, j'ai roulé sur une pizza spéciale extra large avec fromage, poivron, la totale. Alors je peux te dire qu'on n'a pas fini. Mais j'ai pas le temps, moi. On va au parc Wilford assister à la nouvelle cascade de Sam d'Acier. Ah oui, Sam d'Acier, ici, à Wilford. En effet, ça n'arrive pas tous les jours. Je vais me dépêcher. En attendant, Loop, essaie de ne pas t'appuyer sur ta roue arrière. Ça risquerait d'aggraver les choses, d'accord? Désolé, mais moi, je suis coincé ici. Allez-y sans moi, je vous rejoins plus tard. On va pas te laisser là. Les vrais amis sont comme les deux roues d'une moto. Dans tous les cas, tu viens avec nous. Il faut seulement qu'on trouve un moyen de t'emmener là-bas. Oh, attendez! J'ai peut-être trouvé la solution. Wouhou! Ouais! Bien joué pour la remorque! Pourquoi on n'y a pas pensé avant? Ah, attention! Chaudement! Désolé, je suis pressé. Vous savez que Sam d'Acier est en ville? Oui, on est justement... J'ai pas le temps! Le cascadeur d'acier! Allez, il faut qu'on mette les gaz ou on va tout rater! Prêt à mettre la gomme, DJ? Accroche-toi, Loop! Je vais vous montrer qui c'est le chef sur la route! Attention, ça va chauffer! Ça n'a pas encore commencé. T'as vu, Loup? Je t'avais dit qu'on ne raterait pas le spectacle. Oh, oh non! Qu'est-ce qui se passe? On dirait que Loup s'est volatilisé. Il a dû tomber dans un virage en cours de route. Maintenant que j'y pense, la remorque semblait moins lourde à un moment donné. Je me suis dit que je devenais de plus en plus fort. Venez, il faut qu'on le retrouve. Si on se dépêche, on sera de retour à temps pour voir Sam d'Acier. Ricky, DJ, Scoochio, bah où est-ce qu'ils sont tous passés, hein? Oh ouais, on est arrivé au spectacle de Sam d'Acier, trop cool, on a réussi. là je suis pas du tout arrivée, j'ai pas du tout réussi. C'est pas parce que j'ai un pneu crevé que je vais me dégonfler. Laissez faire Loop, il maîtrise la situation. C'est pas possible, où est-ce qu'il est? Il m'a regardé partout. Les motos ne klaxonnent pas comme ça pour n'importe qui. Je parie que Sam d'Acier est arrivé au parc Wilford. Il va quand même pas faire son enchaînement sans nous. Je vais lui demander de nous attendre. Non, on doit retrouver Loop. Quoi, mais on va rater le spectacle. Tant pis, c'est pas grave. On doit continuer les recherches. Allez, on fonce, vous me suivez? La 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 Loop. C'est les traces de Loop. Il ne doit plus être très loin. Wow! Hey, Loop! Mais qu'est-ce que vous faites ici? Depuis tout à l'heure, on cherche partout. Vous êtes en train de rater le spectacle? Monte sur la remorque. On fonce au parc Wilford. On a réussi! Laisse-moi descendre! Laisse-moi descendre! Cet
enchaînement de dingue, j'ai halluciné. J'ai jamais rien vu d'aussi spectaculaire. Sam Dacier est vraiment une légende. Allez, à plus. Bon ben, on dirait bien qu'on l'a raté. Tout ça à cause de mon pneu crevé. On ferait mieux de rentrer à la maison, non? Ouais. Cette fois, c'est terminé. Allez, viens, Loup. On va te ramener chez Maxwell pour qu'il te change ton pneu. Oups. Désolé. C'est rien, petit. Vous êtes Sam Dacier? Oui, c'est bien moi, petit. Parfois, on m'appelle aussi le fabuleux cascadeur d'acier. Mais c'est pas obligé. Je m'appelle Ricky, je suis votre plus grand fan. Ouais, ouais, moi aussi, moi aussi. Vous êtes incroyable. Ouais, je sais. On me le dit souvent. Vous avez aimé le spectacle? Ben, c'est-à-dire que... On n'y était pas. On n'a rien vu parce que j'ai crevé. Oui, je sais, extraordinaire. C'était peut-être le meilleur, à part pour la fin qui n'était pas au top. Il manque un truc. Enfin, bref. Un de ces jours. Hé, attendez, pas si vite. Hein? Hé, hey, refais-moi ça, petit. Vous voulez dire ça, là? Ouais. Ça y est, je l'ai. C'est la fin que je cherchais. Il faut tout de suite que je l'essaye. Vous voulez regarder? Oui. On y va. Merci d'être venu jusqu'ici. Vous savez, une moto n'est rien sans une équipe. Et j'ai l'impression que vous êtes une super équipe. Oh, ce sont les badges officiels de l'équipe de Sam Dacier. Wow. Un de ces quatre. C'est le plus beau jour de ma vie. Finalement, ce pneu crevé, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Oh. Ah bah cette fois, je suis complètement crevée.